passé tout à l'heure, franchement. Parce qu'elle boit goût les marches. C'est orangé, hein, c'est bien ça. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Elle a pas de pépin. Elle a pas de pépin. Ah oui, c'est ça, voilà. Voilà, voilà. Mais ouvre les yeux un petit bien, peu. Là, comme elle n'a pas de pépin. Allez, ouvre les yeux. Ouvre ton nez. Regarde, elle veut manger ton doigt. Allez. Ah voilà. Oui, ça, je crois qu'elle te traîne. Guédé. Il y a des petits ciseaux pour les bébés. J'en ai acheté, moi. Ah, j'ai voilà. Tout. J'ai acheté tous les produits. Tu fais ça, pouf. Vas-y. Guédé. Ah, j'ai déjà acheté tous les trucs pour le truquet. Tu vois, regarde. J'arrive. Mais enfin, si tu veux. Ah oui, tu veux. Ouais. Si te manque des choses, tu peux le dire. Hein. Oui. C'est vrai. T'as pas de stabilisateur d'image. Non. C'est ça qui est malheureux. Ça. C'est utile. Hein. De quoi? Un stabilisateur d'image. Fais des papouilles à ta petite fille là. Voilà, des petites papouilles. Ah, mais ton pouce, il cache des tout petites là. Papouilles. Regarde, elle a sa tête sous le. Oui, regarde, elle se met sans poids comme. Guédé. Mais elle dort, il ne faut pas la réveiller, enfin, écoute. C'est pas gentil de la réveiller comme ça, regarde. C'est une grosse dormeuse, je pense. J'espère qu'elle ne sera pas trop noctambule. Alors là, on a Chantal et Michel qui sont venus fêter la naissance. La marraine du papa. La marraine du papa. Donc là, on a la maman, on a la petite. On va baptiser au champagne. Allez. Des parents indignes. Oh, voilà. Elle a même pas. Elle est habituée, elle était élevée au champagne. Hein. Ah si, elle a un petit sourire, regarde. Elle était dans le bâtiment Adolphe Pinard. Alors, elle est là. Ouais. Elle aime bien, mais elle en voudrait un petit peu dans la bouche. Ah oui, ça, non, ça sent. Deux sœurs, Monique et Chantal, qui ont accepté exceptionnellement de rentrer en avion au Touquet. Notamment maman, ça fait combien de temps que tu n'étais plus montée avec ton mari dans l'avion? Deux ans. Ah oui. Et Chantal avec son beau-frère, oulala. Là, ça fait plus longtemps, je crois. Wow. Bah écoute, c'est. La France est un pays sous-développé. Oui. Tu disais quoi, maman, là? Que je pensais que papa allait dire que la France était un pays sous-développé. Ah, moins que la Grèce, hein. Non, pour l'instant, non, mais laisse-le là. Quoi? Je vais me chercher du travail, je bosse demain. Non. Maman, t'es bien là dans l'avion? Oui, c'est bien chaud. C'est confortable? Ah oui, c'est bien. Alors là, on voit Jojo qui décolle juste à côté des pompes à essence BP. Il passe devant. Et le voilà qui tire sur le manche. Alors voilà, donc une semaine après, on est au Touquet. Et on a donc une professeure Orangina de français, mais également de boisson. Orangina Coca-Cola, voilà. Qui est là, qui a bien poussé, comme vous pouvez voir. Et donc, on s'est aperçu qu'elle aimait bien le champagne. Vas-y, refais une démonstration. Alors, on va vous donner un peu de champagne, ma chérie. Tenez. Oh. Ah, vous n'en voulez plus, là? Ah, si, un petit peu sur le bout de la langue. Un petit peu de champagne. Voilà. Pas une alcoolique. Donc, t'es, pas sa grand-mère. T'en as bu combien, toi, de verre? Ah, bah, moi, c'est mon deuxième. Hein. Ah, bah, c'est ça, t'es c'est ronde. Pour ça, là. Je partage avec ma fille. Ah, t'es ronde, là. Allez. Jojo, il vient d'arriver de Lille en avion. Ouais. Et demain, donc, on va. T'aurais pu prendre ta caméra, t'aurais pu voir la direction. Voilà. J'avais au milieu des mouettes. On va se poser à Châtillon. Dis donc, qu'est-ce qu'il y avait comme mouette sur la piste alors? Ah bon? Oh. Et Livemontant qui s'appelait. Oh, tu tires la langue. Coquine. Il y avait pas une chose. Oui, Clémentine. De Livemontant, hein? Oui. Pourquoi tu n'as pas pris ta caméra là? C'était l'occasion de voir un fils indigne. Oui, bah oui. Voilà. Tu lui avais dit? Oui. Ah, bah dis donc. Je dis que les photos, ça allait rester. Oui, oui. Comme d'habitude.
Alors, grand-mère, la petite fille. Une petite coupe. Donc, on boit une petite coupe de champagne en l'honneur de Clémentine. En l'honneur de Clémentine pour le. Pour les 15 jours de Clémentine. Alors, il faut savoir qu'elle pèse maintenant 4,2 kg. Tu ne parles pas de mon poids. Hein, quelle mesure? Ah oui, je ne parle pas du tien. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas assez de chiffres dans l'alphabet pour donner ton poids. Oh, regarde-toi toi-même. Hein. Et donc, elle pèse 54 cm. 55 cm. Non, elle mesure. Hein. Oui. Elle est charmante. Elle est charmante. Mmh. Elle était sur la plage aujourd'hui. Oui, sa première sortie à 15 jours. Dans le Congo avec son papa. On a l'œil qui pleure. Les yeux d'acier. Où tu vas, Jojo? Oh. On tire la langue. Alors voilà, c'est le premier vol de la Pichoun. Alors Jojo, on est où là? Bah écoute, je te pose des questions, regarde, on est un peu dans le désert ici. Dans le désert? Ah, hein? Non, on est en France là. On était en France. Et on retrouve les deux grands-pères. Voilà. Hein, de la cuvée de 1926. Ah oui. Hein, qui est là. Ouais, la cuvée de 1926. Avec la cuvée 96 à droite, qui se fait entendre. 26 et 96, c'est vrai. C'est 70 ans après. Hein, voilà. N'est-ce pas, Clémentine Clémentine. Alors, Jojo. J'ai fait l'expérience, il y a 2 jours, à 3 heures, j'étais réveillé. Mais là, je crois qu'elle a sommeil. La bibine là-bas, on ne la voit pas. Vous voyez, elle est bien. Alors voilà, on laisse la petite Clémentine. À Villiers. Fais un sourire à ton papa. Oui, fais un sourire. Ah, et je la laisse en bonne santé. Donc on peut constater, elle a 2 narines. Oui. 2 yeux, 1 langue. Oui. Elle va sucer son pouce. Voilà. Comme ça, maman lui a appris. Ouh. Voilà. Allez, Olivier. On y va. Ça y est, tu es prêt? On y va. Voilà, vous redécollez. Vous êtes prudent. Dans la maison, on est un peu plus tard dans la journée. Il y a Thierry qui nous a rejoint. Avec Jojo à côté. Et là, il y a les enfants qui sont là. Et Clémentine, elle est où? On la trouve plus, Clémentine? Les yeux, elle n'a pas les yeux marrons. Et là, il y a les yeux. Ouais, c'est bien, tes cheveux, je te les montrais. T'as vu, c'est un gros paquet, elle est lourde. Hein. Tu gardes ça avec une grosse femelle. Elle va être grande et grosse. T'as vu? On devrait le garder parce que j'ai un livre sur les ouragans. Quand c'est 4, on s'en prend un sur le coin de la figure, malheureusement. Elle est bien, disons, l'ouragan ici. C'est quand l'ouragan? Moi, j'ai jamais essayé alors. C'est comme le produit public. Allez, vite à la cuisine. Ma caméra là. Vite! Allez, les deux filles. Vite parce que les bougies se trouvent. Vite à papa! Il ne reste plus beaucoup de bougies, hein. Il y a 40 bougies. Et un Alex. Pourquoi ça brûle au milieu? Tiens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Attends, mon gars, si t'as du souffle. Vas-y. 1, 2, 3. Allez, chantez les filles. Toutes les bougies ont pris du nacelle. Oui, oui. Ah bah bravo. Tu disais, maman, qu'Alexandre, il ressemblait à Parrain. Qu'est-ce qu'il fait, Jojo, là? Il mijote. Je suce ça.
Oh, dis donc, ça baume de scrapoté. Oh, oui. Je croyais que vous alliez dire succès. Oh. Ah, ce que Jean venait de dire, je suis. Dit, oh, ça, c'est un mot de Scrabble. Ah, c'est très bonne papoté. Alors là, voilà. Maintenant, c'est la Granny qui donne le biberon à la petite Clémentine. C'est pas la première fois. Non. Ah. D'ailleurs, alors hier, on a eu Jacqueline qui a donné le biberon. Il y a eu papa. Et papy Jo. Pas encore, mais elle le papy sitter. Ta fille. Tout ce qu'on lui donne, elle le mange. Ça veut dire quoi, cette histoire? Qu'est-ce que vous lui avez donné hier? Bah, le biberon, tu l'as préparé. Mais ici, regarde, elle n'est pas... Elle prend tout ce qu'on lui donne, mais ouais. Tu traînes là. Oui. C'est pas si... Remettez le droit pour voir si elle boit bien, si c'est pas bouché. On va y aller. Il est à Papy Jo dans ton sac. Alors, comme votre invité surprise, on a Papy Jo qui est là et qui est en train de régler son gilet de sauvetage. Hein? Alors l'avion, il est très bien parce qu'il est équipé. Il y a la ligne de flottaison sur l'avion. Donc vas-y, tu peux montrer la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est ça. Là. C'est ça, ah oui. Et sur les moteurs, c'est là aussi. Ah oui, d'accord. Ok. Alors on s'aligne pour le décollage. Et hier, il va faire un montage extraordinaire où il change la couleur du ciel et il fait croire qu'il y a des nuages. Voilà. Voilà. Ça nous rappelle le temps de Kortrijk. On est tout pied. Non, non, tout Kortrijk. On a la belle mer, la belle température. Non, la belle mer est à Cognac. Ah oui, voilà. Ça c'est le service d'immigration et puis là on a le camion de ravitaillement. Ouais, c'est pas le plus neuf, hein. Alors Jojo, l'impression sur le vol? Ben, l'impression sur le vol, c'était une impression claire et nette. Oui, c'est à dire là pendant l'état, la vidéo. Il faut que je reprenne le plan. C'est un petit débit ça, hein. Non mais écoutez, non mais ça va pas, non. Alors Granny, on donne le biberon à la pitchoune. Longtemps que j'ai pas donné. Ah oui. Alors la pitchoune, elle a 5 mois. Elle a 5 mois depuis quand? Avant-hier. Hein? Depuis avant-hier. Elle a maigri, comme on voit. Hein? Elle est toujours aussi curieuse. Oui. Et aussi gay. C'est sûr que devant la caméra, elle se fige un petit peu. Mais... Oui, non, il n'y a que son ventre qui compte. Alors quand on mange, on ne fait pas deux choses en même temps. Hey, coucou.
Alors, bain de soleil. Et à côté, Monique. Qui prend aussi un bain de soleil. Gata Pichoun. La Pichoun qui arrive. Oh là 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 là, attention. Ouh. 87. Sûr. Jojo, il est quelle heure? Alors là, je vais te dire, il est 1h10 du matin et nous sommes le 23 décembre. Donc, il filme. Et d'ailleurs, on peut voir ici ce qu'il filme. Il a toujours pas retrouvé sa boîte, Alexandre? Non. Il va s'embêter, lui, à la maison, en rentrant. Sabine, qu'est-ce que t'en penses? On n'a plus parlé. Il passe son temps à cuisiner. Moi, j'attends le dessert. Il a joué à cache-cache toute l'après-midi. Moi aussi, j'étais avec lui. Il a joué à cache-cache. Et tag. Je joue, il a trop bu, là. Avec Red. Regarde, c'est ce que j'ai bu, dis donc. Oui, mon troisième verre. Oui, il a vraiment bien participé à la famille. On va dire que c'est lui qui a été le plus. Et ça ressemble tout à fait, on l'a vu. C'est vrai? Oui. Ah, dis-moi, tu es en train de le vu. Regarde-le. Alors là, donc Clémentine a quel âge? Elle a bientôt 8 semaines. Elle a, oui, elle a pas. Alors regarde sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis combien de temps? Et elle a les yeux bleus. Ah oui. Elle a les yeux bleus. Oui. Ah, elle a doublé son poids. Non, pas là maintenant plus. Si, elle était à 3,5 kg. Elle pas 7 kg. Elle est à 7 kg. Tu m'as dit 6,5. Oui, depuis hier. 6,9 kg. Elle a pris 5 kg. Il y a 4 jours, elle était à 6,9 kg. La route. C'était quoi la route? La route superbe. J'en suis à 700. Mais pas reconnu, hein. 750 km. Donc, oui. On est quelle date d'abord? On est quelle date? Eh bien, on doit être le 11. Le 11 septembre. 11 septembre. Qu'est-ce qui se passe dans 4 jours? Ben dans 4 jours, je sais pas, il paraît qu'il y a un mariage. Il y a un mariage? Voilà. Tu te remaries? Oui. Je serai bientôt plus de portée, ma petite. Clémentine, tu viens faire un tour? Elle veut son vieux. Elle a ses yeux bleus, hein, là, pour le moment. Oui. Ils seront pas marrons comme Olivier. Non. Tu dis tout de suite que mes yeux sont moches? Non. Ne t'inquiète pas, mais on va se mettre en tête qu'on va voir la réunion dont j'ai été le premier. La réunion de quelle compagnie? Alors on va peut-être faire un peu de temps. Pour les suivre, mais quand on les suit, ça va. J'arrive à suivre ton mari aussi. Mais ça va. Il voyage beaucoup. Parce que je l'avais aperçu. Madame Pouille. Bonjour Olivier. Comment va-t-elle? Bah, on va bien. On va se sauver. T'as du champagne à nous donner ou pas? Oui. J'en prendrai une bouteille ou deux pour l'école, comme je vais aller les voir. Oui. Ah bon, oui. Mais tu vous allez en garder les uns ici aussi. Le Pichoun. La Ploubelle. Oui, avec Claire. Oui, je sais, mais il ne faut pas les gâter, les autres. Jojo. Oui, voilà. Voilà, voilà. Oscar, papa, bravo de Charlie. Tout à fait. Aux commandes. Au décollage. Au décollage. Ready for take-off. GPS 6-7. Voilà. Ah oui, je sais. On est ensemble. On est là que le deuxième. Oui, il va lui. Joyeux année bonne. Jolie cette voiture. Super très. Contrôle, oui. 28, 29, 30 août. Et on a la visite de... C'est des Belges ou des Suisses? Ah, des Suisses! Du pays du chocolat. Voilà, qu'est-ce qu'ils emportent là, les pays du chocolat? Oh, c'est un gros chocolat, j'ai l'impression. Ah oui. C'est pas pour toi. Ah bah vaut mieux parce qu'au niveau régime. La grande porte, hein. La grande porte. Bah oui. Bon, moi je croyais qu'il faisait beau. Bonjour ma petite maman. Bonjour Olive. Alors, regarde tes petites filles. Bonjour la petite puce. Oh, elle est habillée en kilt. Oh, bonjour. Et on a mis un jabot au petit enfant. Bah Jojo, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tiens, mais c'est Clémentine.
Après, on va s'étonner que l'herbe ne repousse pas. On est un peu tôt. Hein. Non, c'est bien. Bonjour Clémentine. Comment va Clémentine? En quilt. T'as beaucoup changé. En quilt et en jabot. T'es une petite puce maintenant? Oh non, t'es une grosse puce. T'es plus une Clémentine? T'es une grosse puce. Qu'est-ce qu'on était élégante. Hein? Oh là là, ça, le gîte. Dis donc, elle est hein? Oh, Clémentine. Ah. Qu'est-ce que fait Clémentine? Elle avait soif, elle a pris le verre de son grand-père. Voilà, elle a, j'ai bu la moitié de mon verre. Son papy Jo. Ah, la moitié de mon verre. Hein? Alors, on a visite de... toutes les coupes. Eh bien, alors, Clémentine. Elle passe de coupe en coupe. Clémentine. Oui, mais c'est drôle parce qu'elle fait la grimace quand elle se voit. Il y a Clémentine qui l'a tirée par les coupes. Je vois pas d'où ça vient cette attirance pour le champagne. On se demande. Il faut plutôt filmer par là, tu vois. Elle a pas mordu dans ta tête ce coup-ci. Oui. Oui, mais moi je me suis mise à aimer le champagne qu'à 27 ans. Oui. Ah oui. Oui, je suis rattrapée après. Oui, mais est-ce qu'à un an vous avez laissé boire comme ça? Sûrement pas. Oui. De toute façon, je crois que quand j'avais un an, je ne buvais pas tellement de champagne. Alors là, on a la fraise qui va être un... Cette fois-ci, non. Mais après, une des fois qu'on est passé... Deux ans suivant. Mais nous, on va se déshabiller. Alors, donc on a Alison. Qui s'occupe de la petite Cunégonde. C'est Cunégonde, finalement. On vous l'a pas dit. Alison, tu reviens d'Orlando, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Orlando? J'ai gagné le premier prix en français. Oh. Pour les histoires drôles? Quoi? Pour les histoires drôles? Non, pas de glace, pas de glace. Non. De quoi? Je veux pas de glace. Elle a dû faire un discours sur la chimie. Chez Thio... Vous avez trouvé? You find chez Thio, je sais plus ce que chez Thio. Mais elle a parlé comme ça toute la journée et elle a eu son... Tisote ? Elle a tisote, oui. Alors tisote ? C'était le coulon, le coulon et la coulonne. Finalement, vous avez le droit de continuer tout droit, mais vous n'avez pas le droit de tourner à gauche. C'est les voitures qui sont en face qui arrivent. Oui, c'est ce que je vous explique. Eh bien, c'est ça. Vous me dites qu'il n'y a qu'en France qu'il y a la petite flèche et que c'est mal foutu et que les gens ne voient pas. Allez aux États-Unis, vous avez la petite flèche aussi. Moi, je vous le dis. On parle de l'influence du chocolat suisse. Je vous emmène à PGA en face du mall. Et vous d'accord, avez on va y aller comme ça. Sur les feux rouges. Hein, Juju, qu'est-ce que t'en penses, Juju, tout ça? Ça, c'est de la discussion. Hein? Faut pas te laisser faire, Juju. Non, c'est pas logique. Faut pas te laisser faire, Juju. Pourquoi? Vous me dites que ça marche pas? La petite flèche rouge, vous la voyez pas avant? Jojo, qui a raison alors? Vous avez la flèche verte, vous avez le droit de tourner à droite, à gauche, et après, ça devient flèche rouge. Sabine, ça devient ta petite flèche rouge. Est de quelle couleur ta petite et flèche? Et moi, je connais parce que je suis obligée d'attendre pour tourner à gauche parce que vous avez toutes les voitures du boulevard qui viennent en face. You turn. Et est-ce que tu traverses the street? Avant, elle était verte, et elle est passée au rouge. Mais le feu principal est vert, alors les voitures foncent. Donc voilà, je vois pas en quoi c'est différent. Les gens qui Jojo voient veut plus parler pas, devant la caméra. Jojo veut plus parler devant la caméra. Ça sert à rien. Moi, je suis à qui dessine-t-on le range? Un essai, ça va se faire pratique. Juju, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? À ce moment-là, tu viens avec moi et à ce moment-là, je te demande ton avis. Titine, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu un. Qu'est-ce qui se passe, Titine, aujourd'hui? Il y a Pâques. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe le jour de Pâques? On prend les œufs. On prend les œufs? Oui. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? On est le, je sais pas combien, quand, au mois d'août. Alors, donc aujourd'hui, on a un nouvel invité qui vient d'arriver avec quelques péripéties. Allez, Clémentine, tu m'as expliqué. Papy Jo. Alors. Qu'est-ce qu'elle voit là, Julienne? Bah dis donc, alors, Juju. Et Victoria, je t'ai pas encore chatouillé alors. À moi. Mais enfin, je peux quand même te chatouiller. C'est quand même. C'est bon, Titine. Enfin, on a des alcoolos, elle voit tout le monde. Hein? Enfin, tu veux alors, il y a que Baba qui croit. Juju, oui.
Jean-Julien, tu vas pas dire bonjour. Bonjour, Jean-Julien. Lâche, doucement. Doucement. Dis, regardez, vous dites bonjour avec sa main. Lâche-lui. Lâche-lui, tu vas voir, elle va lui dire bonjour. Doucement. Doucement, ma petite sœur. Elle me tient. Alors, va. Hey, on a toute la petite famille qui est réunie. Là, la petite famille, tu vois la petite famille, là. Vous voulez chatouiller Papillon, c'est ça? Voilà, elle voulait me chatouiller, alors vous pouvez me rappeler que je voulais la chatouiller. Voilà, j'ai des filets, Attention, il y a la bouteille derrière. Attention, il y a la bouteille. Juju, elle se barre avec le verre. Oh bah t'es gonflé, Juju, c'est bon? Oui? T'aimes bien? Juju. Bonjour Juju. Néné. Qu'est-ce que tu veux Juju? Néné. Néné. Et ma titine? Qu'est-ce qu'elle veut Juju? Elle veut voir sa maman. Elle veut voir sa maman? Titine ne veut pas des chatouilles? Bon. Non. Pendant que vous êtes tous là, on va parler. Et pour ma maman, elle dit oui. Elle dit oui? Oui. Bon. Bon, non, c'est bon. Tousser. Toutes les filles toussaient. Et Mémé? Papa. Mémé, elle est où? Papa. Papa. T'as vu ton grand-père? Alors, Juju? Alors, Juju? Tu viens, Juju? Allez, hop là! Voilà, un petit peu de gymnastique. On avec voit que Juju, c'est une future pilote, tu vois. Oui. Hop là, elle se lance en l'air! Hop là! Elle n'a pas le... Elle n'a pas le vertige. Peut-être pour le... Attends. Et je vais prendre du lait aussi. Juju. Non. Non. Juju, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Vas-y, dis-lui, Marine, qu'elle a pas le droit. Non, Juliette. Non. Allez, tu descends. Tu descends. Juju. T'as une belle ceinture, Sabine. Ouais. Hein? Je vais pas trouver ma ceinture. Juju. Allez. Oula. Tu. Qu'est-ce que tu fais là-haut, Juju? Qu'est-ce que tu fais là-haut, Juju? T'as pas le droit. Bah, elle vient manger. Hein? Juju, qu'est-ce que tu fais? Alors, Juju. Tu vas bomber, Juju. Tu vas bomber. Qu'est-ce qui t'arrive, ma vava? Tu veux papa? Oui. Oh, pourquoi? Parce que le bébé était tout blanc et elle, une grosse maman, elle est toute noire. En fait, c'était une dame. Je dis maintenant, c'est une jeune fille. Oh, elle me dit, oh non, moi je veux pas une jeune fille noire. Je veux pas de jeune fille noire. Hein. Non, alors là, maman, je veux pas de jeune fille. J'aime pas les jeunes filles. Alors, Jojo, tu vas partir aujourd'hui? Ben écoute, je crois que la météo pour l'instant est bonne. Oui. J'aurai le compte rendu du vol. Bon. Et Marine, tu pars aussi ou pas? De retour. À la maison, on a Papy Jo qui s'occupe de sa petite dernière. Hein? Gentiment, en tendresse. Comme il sait faire. C'est la tendresse de Papy Jo. Hein, Juju, t'aimes bien, oui. Oh oui, elle aime bien. Oh oui. Elle aime bien. Hein? Oui, elle aime bien ça. Hop là! Ah, je me repose. Ah, bah Juju, hein? Ah dada, ah dada. Ah dada, ah dada. Allez, Juju. Allez, Juju. Allez. On va le dénoncer à la brigade. Tu vas changer la rigueur, tu crois? Voilà.
Voilà. Attention, elle voit pas tout, hein. Regarde-moi ça. Allez, vas-y, continue à boire. Continue à boire. Allez, vas-y. Allez, bois. Allez, bois. Allez, bois. Allez, bois, 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 bois. Attention, fais pas pépé, hein. Non, fais pas pépé, c'est pas le même goût. Hein. Eh ben, dis donc, papa, oh, il est pas pépé. Oh, bah, Juju. T'as pas eu ton verre? On est le, je sais pas combien, quand, au mois d'août. Oh zut! Quelle date au mois d'août? Ah voilà, voilà Georges. Oui, regardez. Attends, on va voir justement toutes les. Et on a Papy Jo. Voilà. Papy Jo. Et. La Goutonnée. Et Papy Jo. Il y a une Goutonnée? J'ai pas vu. Voilà. Ils sont en train de regarder les films. Regarde la caméra, Jojo. Voilà, vous allez voir. Ça y est, je l'ai mis. Bon, elles ne veulent pas voir les bêtises qu'elles ont faites. Hein. Oh, c'est joli, moi, je suis ravie. Bon. Alors qu'est-ce que tu montres? Tu vas voir. Ben, on y va. Ne filme pas ce que tu. Tu vas voir. Allez, Jojo. Regarde, t'as pas vu. Tu vas voir. Regarde ça. Nous sommes le jeudi 7 août 2003 et je redécouvre le beau château de Bourgogne. C'est trop, c'est du gâchis, c'est cette photo-là. Du gâchis. Alors voilà, Papy Jo. Non, mais dis donc. Et on a ma titite qui est là. Sérieux. On a ma vava qui est là. Et Juju, elle est où? Elle est là. En dessous de la table. Là, on a Anya. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Juju? Bah écoute, j'ai des questions à te poser. Oui, ah, vas-y, pose. T'es sûr qu'elles sont de terre? T'aimes bien les pommes, Jojo? Bah, ça dépend lesquelles. Hein. C'est pas les pommes! Il y a différentes sortes. Hein, c'est pas les pommes, c'est les pommes et pains! Les pommes des pains? Non, les pommes et pains! C'est pommes de terre, Jojo? T'aimes bien les pommes de terre? Non. Non? Si, t'aimes bien? Non. Ils prennent des films aussi, mais c'est vrai qu'il en fait moins cette année. Titine. Vas-y. Vas-y, fais le poisson, comme tu faisais avec Jojo. Ça y est, vous allez attraper mon. Vas-y, fais le poisson, j'ai une titine. Ouais, ma petite vava. Moi, je sais faire le poisson. Alors, elle a bien dormi, Dania? Oui, elle a bien dormi. C'est plus moi. Attention. C'est plus moi. Adolphette. Adolphette. Mais j'ai envie de voir. Je peux le tenir, papa? Goûtez ça. Non, mais je veux que vous goûtiez. Vous allez avoir une surprise. Je goûte. Goûtez et vous allez avoir une surprise. Vous allez me dire ce que c'est. Goûtez. Goûtez. Quel clown, Jojo. Mais ça n'a pas de goût, ça. Goûtez. Qu'est-ce que c'est? Bah écoute, je t'avoue que. Ça n'a pas de goût, ça. Mettez tout dans la bouche. Il faut en manger un bon bout. Pourquoi ça? C'est pas des crottes, ça? Non. Non, mais c'est la couleur. Je vous donnerai pas de la M à manger, quand même. Mais c'est la couleur des crottes. Vous aimez ça, il paraît, normalement. Bah, je t'avoue, je ne retrouve pas le goût. Non. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Dedans, il y a... Regarde, elle mange de très mal. C'est vrai ou pas? Bon, c'est bien Anya. Va, va, Tino. Va, va, Tino. Et tu me le dis à un moment donné. Hein, c'est pas mal non plus ça, Anya. Pourtant, écoute. Clémentine, c'est différent. Clémentine, c'est plus joli. Clémentine. Oui.
Je comprends pas qu'elle n'aime pas. Gamaïsar. Alors voilà, aujourd'hui, donc, Titine va prendre sa dernière leçon de cheval. Hein, ma Titine ? Elle est conduite par son papy Joe. Voilà ! Son papy Joe qui a 140 000 km dans sa voiture. Voilà. Il fait de la température, puis c'est agréable. Hein. Oui, alors là, on va au domaine de la Barotte. Quand tu vois la l'heure qu'il est, ouais, je veux dire. Mais... Alors voilà, là, on va arriver au domaine de la Barotte. Bon. Titine va monter à cheval. Tu es en crispy. En train de quoi faire là, Titi? Explique. Tu es en train de t'habiller ou de déshabiller? Non, je vais prendre les brosses. Et la selle aussi? Pour quoi faire? Qu'est-ce que tu brosses? Le cheval. Tu brosses le cheval? Oui. Crispy. Bonjour Crispy. Crispy. Bonjour Crispy. Là, il y a quelqu'un qui est là. Crispy, Crispy. Allez, tu restes, tu restes là. Titine, t'aimes bien? Tu pourras nettoyer ta sœur maintenant. Hein? C'est pas pareil. Vas-y, parle. Vas-y. Oui, vas-y. Alors, ton nom, c'est bien Crispy. Bah, tu vois. C'est bien Crispy. T'es d'accord? Dis-moi oui. Crispy. Crie pendant son oreille. Je trouve que vous vous ressemblez. Il y a la même couleur de cheveux. C'est vrai. Oui, tout hein? On est de la même génération. Et t'as le même nez à peu près. On est de la même génération. Vous êtes de 26 tous les deux? Tous les deux, voilà. Hein? C'est 26 ou 62? Oh, c'est peut-être 62. Hein? Oui. Voilà. Arrête de faire des photos. Tiens, sérieux, sérieux. Allez, Jojo. Voilà, Jojo. Elle est... Alors, qu'est-ce que tu arrives à faire bouger sur la tête? Le nez? Non, ça c'est autre chose, c'est physique tu parles. Oui. Alors attends, je vais faire des grimaces. Oui, vas-y. Oui, et après? Tu sais, maintenant avec les années, j'ai arrêté l'activité physique, tu vois, alors c'est plus gênant. La vie, tu vois, mettre le pratique en premier avant la couleur et la forme. Faut pas être poète. Que ça te complique la vie. Georges, la poète. En premier, le pratique. Après, quand t'as une minute, bon, bah, tu racontes des bêtises ou tu t'amuses à faire quelque chose, autre chose, tout à fait d'accord. On peut pas être 100% toujours actif. Mais attention. Par contre, si tu veux être productif dans la vie, il faut être méthodique, pratique. Il vaut mieux. Dans ta tête. Il vaut mieux les. La couleur, tu comprends comme elle change d'une minute à l'autre, hein. Aujourd'hui, tu vas être formidable parce qu'ils seront en rouge, mais le lendemain, si tu continues en rouge, tu seras complètement démodé. Il faudra te mettre en vert. Et alors, c'est ça la vie? C'est pour ça que vous avez fait du marron? Alors, quand vous étiez à fourrure. Et tout. Oui. Et alors, il vaut mieux les lignes droites ou les courbes? Non, ligne droite, c'est ce qu'il y a de plus rapide pour aller d'un point à l'autre. Et le plat ou les montagnes? Tout droit. Et quand t'as une grosse montagne? Bah, quand t'as une grosse montagne, je prends l'hélicoptère, c'est plus simple. Parce que là, tu montes, toc. Toc. Mais non, l'effort en vélo, Georges. L'effort, l'effort. L'effort, l'effort. Mais il y a des faibles aussi en vélo. Il n'y a pas que l'effort. Et tu vois, aujourd'hui, à ma génération, pour moi, un sport idéal, c'est le golf. Et pourquoi? Il réunit deux choses importantes dans la vie de notre génération. Physique, on marche. Et mental, il faut travailler la tête et associer aux muscles. Pour envoyer la balle dans le bon sens. Voilà ma philosophie. T'as compris? Et la piscine, Georges, quand vous nagez? Eh bien, la piscine, pareil. Moi, je fais la piscine parce qu'il n'y a pas d'exercice physique, mais il y a le travail des poumons et du cœur. Parce qu'on travaille et vous barbotez un petit peu dans la piscine?
Exactement. Au chrono, je barbote. Je fais mes 500 mètres, 20 minutes. Voilà. Pas question de perdre une seconde. Une seconde. Si t'es dans la piscine et tu nages comme ça, là, tu sais, tu perds ton temps. Tu dis, mais qu'est-ce que tu... Je dis, quelle couleur sont les carreaux? Je sais pas, moi. Je fonce. Exactement, mais j'en ai à foutre. Moi, je suis dans la mèche. Et le vélo, quand vous faites du vélo, le paysage, vous regardez? Oui, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est exactement chrono. Je prends mon vélo, je baisse la tête et je fonce. Chrono. Chrono, chrono, chrono. Vous avez vu les vaches? Quelle vache? Rien à foutre. Rien à foutre des vaches. La montagne. Beaucoup, j'en ai à foutre. Le paysage. Oh, ça n'a aucun intérêt. Chrono. C'est gentil de me faire respirer, t'as vu? C'est impossible de respirer. Voilà. Alors, quand tu fais du sport avec Georges, t'as intérêt à avoir la même ligne d'esprit parce que sinon tu coules. Et en vélo. Mais non, mais encore une fois, vous êtes de mon avis. Je vois par exemple, et c'est ça que j'adore, Sion, c'est une ville disciplinée, pratique. Pratique. Et les piscines, par exemple, il y a la zone pour les nageurs. On est tous des nageurs, faire les parcours. Il n'y a pas d'enfants là-dedans. Par contre, il y a le bassin à côté où c'est quel là clown. Les enfants qui quel clown Jojo qui chantent et tout ce qu'on veut. C'est la Suisse. Alors Georges, que Sion, la Suisse, c'est discipliné. Voilà. Il n'y a pas de papier par terre, une amende si vous pissez contre un arbre. Voilà. Pratique. Pratique. Discipliné. Mais attends, ça attends, attends. Bien, la Suisse, hein. C'est pas tout pareil. Et les péages. À Sion. Ah, les péages. Oui, mais attends, on va pas parler. On parle de la piscine. Arrête la piscine. À la piscine, à Sion. Elle est en pente. Piscine ou en hiver. Elle est en pente pour faire du ski nautique. Dehors, tu m'entends? Je vais dehors, elle fait 40 degrés. Oui. Eh bien, dans cette piscine, oui. C'est lamentable. J'écoute, hein. Toutes les piscines, t'as des gamins avec des parents qui aiment bien rigoler et tout ça, tu peux pas nager. T'es tout le temps en train de tourner. Mais c'est merveilleux, c'est pas des piscines, c'est des baignoires. Bah oui. Ce sont des baignoires publiques. Mais enfin, quoi. Redis baignoire. Mais rationnel, bon sang. Les gens qui veulent nager. Ils vont dans une piscine où on nage. Ceux qui veulent aller dans une baignoire, eh bien, qui aillent barboter la baignoire. Ben oui. Mais enfin, quoi? Oh. Ma logique, elle n'est pas bonne? Bien sûr. Ah, heureusement, tiens. Ah. Un candidat maintenant. Ah. Une candidate, pardon. Et les péages en Suisse? Ah, ouais, les péages. C'est merveilleux. On paye une fois par an, puis terminé, on n'a pas à faire la queue dans ces mèches. Hein. Pop, pop, pop. Hein. Pop, 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 hein. Pop, pop, pop. Allez, je vais pas radoter à nouveau là-dessus, c'est permanent. Oui, mais nous, on aime bien quand vous radotiez, ça nous fait rire. On a l'impression d'avoir Louis de Funès. Avec les gestes, on aime bien. Georges, c'est notre Louis de Funès. Ouais. Parce qu'il y a les gestes, il y a les petites phrases, il y a le pom-pom-pom. Oui, mais rappelle-les, parce que moi, avec ma mémoire, j'ai oublié. Mes petites phrases, c'est lesquelles? Pom-pom-pom. Oh, pom-pom-pom. Tout droit, la ligne droite. Et puis avec le geste. Vous le faites avec le geste aussi. Tac, tout droit. Arrête, écoute, tu me fais radoter, écoute. Bah oui, mais c'est ça. Ouais. Il prend des films aussi, mais c'est vrai qu'il en fait moins cette année. Titine, vas-y. Vas-y, fais le poisson, comme tu faisais avec Jojo. Ça y est, vous allez attraper mon... Hein? Bah, tu fais le poisson, j'ai titine. Ouais, ma petite Vava. Moi, c'est faire le poisson. Alors, elle a bien dormi, Dania? Oui, elle a bien dormi. C'est plus moi. Attention. C'est plus moi. Adolphette. Adolphette, mais j'ai envie de voir. Je peux le tenir, papa? Goûtez ça. Non, mais je veux que vous goûtiez. Vous allez avoir une surprise. Je goûte. Goûtez et vous allez avoir une surprise. Vous allez dire ce que c'est. Goûtez. Goûtez. Quel clown, Jojo. Mais ça n'a pas de goût, ça. Goûtez. Qu'est-ce que c'est? Bah écoute, je t'avoue que... Mais ça n'a pas de goût, ça. Mettez tout dans la bouche. Faut en manger un bon bout. Pourquoi ça? C'est pas des crottes, ça? Non. Non, mais c'est je vous donnerai pas de la M à manger, quand même. C'est la couleur des crottes.
Vous aimez ça, il paraît, normalement. Bah, je t'avoue, je ne retrouve pas le goût. Non. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Dedans, il y a... Regarde, elle mange de crème. Oui. C'est vrai ou pas? Oui, c'est pas tout à fait. Bon, c'est bien Ania. Va-va-ti-no. Va-va-ti-no. Tu me le dis à un moment donné. Hein. C'est pas mal non plus ça, Ania. Pourtant, écoute, Clémentine, c'est différent. Clémentine, hein, c'est plus joli que Clémentine. Oui. Je comprends pas qu'elle n'aime pas. Non, regarde-moi ça. Alors voilà, aujourd'hui, donc, Titine va prendre sa dernière leçon de cheval. Hein, ma Titine? Elle est conduite par son papy Joe. Voilà. Son papy Joe qui a 140 000 km dans sa voiture. Voilà. Il fait de la température plus agréable. Hein. Oui, alors là, on va au domaine de la Barotte. Quand tu vois la l'heure qu'il est, tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors voilà, là, on arrive arrivé au domaine de la Barotte. Bon. Titine va monter à cheval. Tu es en train de quoi faire là, Titi? Explique. Tu es en train de t'habiller ou de déshabiller? Non, je prends les brosses. Et la selle aussi? Pour quoi faire? Qu'est-ce que tu brosses? Le cheval. Tu brosses le cheval? Oui. Crispy. Bonjour Crispy. Crispy. Bonjour Crispy. Là, il y a quelqu'un qui galope. Crispy, Crispy. Allez, tu restes, hein, tu restes là. Titine, t'aimes bien? Tu pourras nettoyer ta sœur maintenant. Hein? C'est pas pareil. Vas-y, parle. Vas-y. Parler, oui, vas-y. Alors, ton nom, c'est bien Crispy. Bah, tu vois. C'est bien Crispy. T'es d'accord? Dis-moi oui. Crispy. Crie pas dans son oreille. Vous, je trouve que vous vous ressemblez. Il y a la même couleur de cheveux. C'est vrai. Oui, oui, tout hein? On est de la même génération. Et t'as le même nez à peu près. On est de la même génération. Vous êtes de 26 tous les deux? Tous les deux, voilà. Hein? C'est 26 ou 62? Ah, oh, c'est peut-être 62. Hein? Oui. Voilà. Arrête de faire des photos. Tiens, sérieux, sérieux. Allez, Jojo. Maman, c'est hyper grave. Non, c'est lui. C'est comme sa robe. C'est tout nu, hein. Non, c'est jaloux. Bon, alors, Jojo, elle est... Alors, qu'est-ce que tu arrives à faire bouger sur la tête? Le nez? Non, ça c'est autre chose, c'est physique que tu parles. Oui. Alors attends, je vais faire des grimaces. Oui, vas-y. Oui, et après? Tu sais, maintenant avec les années, j'ai arrêté l'activité physique, tu vois, alors c'est plus gênant. La vie, tu vois, mettre le pratique en premier avant la couleur et la forme. Faut pas être poète. Que ça te complique la vie. Georges, la poète. En premier, le pratique. Après, quand tu as une minute, bon, bah, tu racontes des bêtises ou tu t'amuses à faire quelque chose, autre chose, tout à fait d'accord. On peut pas être 100% toujours actif. Mais attention, par contre, si tu veux être productif dans la vie, il faut être méthodique, pratique. Il vaut mieux. Dans ta tête. Il vaut mieux les. La couleur, tu comprends comme elle change d'une minute à l'autre. Hein. Aujourd'hui, tu veux être formidable parce qu'ils seront en rouge. Mais le lendemain, si tu continues en rouge, tu seras complètement démodé. Il faudra te mettre en vert. Et alors? C'est ça la vie? C'est pour ça que vous avez fait du marron? Alors? Quand vous étiez à fourrure. Et tout? Oui. Et alors, il vaut mieux les lignes droites ou les courbes? Non, ligne droite. C'est ce qu'il y a de plus rapide pour aller d'un point à l'autre. Le plat ou les montagnes? Tout droit. Et quand tu as une grosse montagne? Ben, quand tu as une grosse montagne, je prends l'hélicoptère, c'est plus simple. Parce que là, tu montes, toc,
Toc. Mais non, l'effort en vélo, Georges. L'effort, l'effort. L'effort, l'effort. Mais il y a des faibles aussi en vélo. Il n'y a pas que l'effort. Et tu vois, aujourd'hui, à ma génération, pour moi, un sport idéal, c'est le golf. Et pourquoi? Il réunit deux choses importantes dans la vie de notre génération. Physique, on marche. Et mental, il faut travailler la tête et associer aux muscles pour envoyer la balle dans le bon sens. Voilà ma philosophie. T'as compris? Et la piscine, Georges, quand vous nagez? Eh bien, la piscine, pareil. Moi, je fais la piscine parce qu'il n'y a pas d'exercice physique, mais il y a le travail des poumons et du cœur. Parce qu'on travaille et vous automatiquement... Vous barbotez un petit peu dans la piscine? Exactement. Au chrono, je barbote. Je fais mes 500 mètres, 20 minutes. Voilà. Pas question de perdre une seconde. Une seconde. Si t'es dans la piscine et tu nages comme ça, là, tu sais, tu perds ton temps. Tu dis, mais qu'est-ce que tu... Je dis, quelle couleur sont les carreaux? Je sais pas, moi, je fonce. Exactement, j'en ai à foutre, moi, je suis dans la machine. Et le vélo, quand vous faites du vélo, le paysage, vous regardez? Oui, j'en ai rien à foutre, moi, c'est exactement chrono. Je prends mon vélo, je baisse la tête et je fonce, chrono. Chrono, chrono, chrono. Vous avez vu les vaches? Quelle vache? Rien à foutre. La montagne? Beaucoup, j'en ai à foutre. Le paysage? Oh, ça n'a aucun intérêt, chrono. C'est gentil de me faire respirer, t'as vu? C'est impossible de respirer. Voilà. Alors quand tu fais du sport avec Georges, t'as intérêt à avoir la même ligne d'esprit parce que sinon tu coules. Et en vélo... Mais non, mais encore une fois, vous êtes de mon avis. Je vois par exemple, et c'est ça que j'adore, Sion, c'est une ville disciplinée, pratique. Pratique. Et les piscines, par exemple, il y a la zone pour les nageurs. On est tous des nageurs, faire les parcours. Il n'y a pas d'enfants là-dedans. Par contre, il y a le bassin à côté où c'est là les enfants qui... Quel clown, Jojo. Et tout ce qu'on veut. C'est la Suisse. Alors Georges, que Sion... La Suisse, c'est discipliné. Voilà. Il n'y a pas de papier par terre. Une amende si vous pissez contre un arbre. Voilà. Pratique. Pratique, discipliné. Mais attends, ça attends, attends. Bien, la Suisse, hein. C'est pas tout pareil. Et les péages à Sion. En Suisse. Les péages. Oui, mais attends, on va pas parler, on parle de la piscine. Arrête la piscine. Pardon? À la piscine, à Sion. Elle est en pente. Piscine ou en hiver. Elle est en pente pour faire du ski nautique. Dehors, tu m'entends? Je vais dehors, elle fait 40 degrés. Oui. Eh bien, dans cette piscine, oui. C'est lamentable. J'écoute, hein. Toutes les piscines, t'as que des gamins avec des parents qui aiment bien rigoler et tout ça, tu peux pas nager. T'es tout le temps en train de tourner. Mais c'est merveilleux, c'est pas des piscines, c'est des baignoires. Bah oui. Ce sont des baignoires publiques. Mais enfin, quoi. Redis baignoire. Mais rationnel, bon sang. Les gens qui veulent nager. Ils vont dans une piscine où on nage. Ceux qui veulent aller dans une baignoire, eh bien, qu'ils aillent barboter la baignoire. Ben oui. Mais enfin, quoi? Oh. Ma logique, elle n'est pas bonne? Bien sûr. Ah, bon, heureusement, tiens. Ah, oui. Un candidat maintenant. Ah, oui. Candidat. Et les péages en Suisse? Ah, ouais, les péages. Aussi, c'est merveilleux. On paye une fois par an, puis terminé, on n'a pas à faire la queue dans ces mèches. Hein. Pas, pas, pas. Hein. Pas, 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 hein. Pas, pas, pas. Allez, je vais pas radoter à nouveau là-dessus, c'est permanent. Oui, mais nous, on aime bien quand vous radotiez, ça nous fait rire. On a l'impression d'avoir Louis de Funès. Avec les gestes, on aime bien. Genre, c'est notre Louis de Funès. Ouais. Parce qu'il y a les gestes, il y a les petites phrases, il y a le pom-pom-pom. Oui, mais rappelle-les, parce que moi, avec ma mémoire, j'ai oublié. Mes petites phrases, c'est lesquelles? Pom-pom-pom. C'est quoi ça? Pom-pom-pom. Tout droit, la ligne droite. Et puis avec le geste. Vous faites avec le geste aussi. Tout droit. Arrête, écoute, tu me fais radoter, écoute. Ah oui, mais c'est ça. Alors voilà, c'est le moment du départ. Bon, allez, je te montre ta belle porte. Hein. Voilà ta belle porte, regarde. Paf! Alors, par contre, pour l'ouvrir... Je suis obligé de m'asseoir dessus, tu vois. Puis, voilà. Vas-y, rassieds-toi sur la porte. Là, les petites filles. Ah, voilà les petites filles. Non, la grande fille. Ça, c'est la grande Clémentine. Non, pas tout. T'es d'accord? Clémentine. Tu ne parles plus? Au revoir. Au revoir. Voilà. Fais un bisou. Non, fais un bisou à Papillon. Au revoir, monsieur.
Allez. Dis donc, et tu m'as mis de l'alcool là. Merci, c'est cool, hein. Bon, allez. Clémentine. T'es d'accord? Clémentine. Mais arrête, tu vas tomber. Allez, fais-moi une bisou. Lâche-le, papillon. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Allez, Juju. Au revoir, Juju. Au revoir. Au revoir, Juju. Au revoir, Foufou. Bon, allez. Bon, arrête, tu vas gaspiller de la vidéo. Eh ben, Sabine, allez. Je lui ai dit au revoir. Mais alors, Juju, elle arrive, elle va venir. Mais Juju, qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai dit montrer tout à l'heure. Tu veux pas les montrer? Elle a une bosse là-haut sur son front, elle met un glaçon. Ah bon? Elle a mal, Juju. Qu'est-ce qu'elle a eu ici, là? C'est une tache de naissance. C'est vrai? Oui. Je me demandais si c'était... Non, sa grand-mère, c'est sa grand-mère qui a ça aussi. Ah bon? La maman de Sabine. Oh, dis donc, c'est curieux, ça. Ah, mais Juju... Titine, redis, attention, Titine, redis que au revoir. Allez. Allez nous dire si vous avez fait bon retour. Allez, on va Papijo, sois sage, hein. Ligne droite. Attention aux pommes. Les lignes droites, hein. Attention à la butte. Il s'est mis dans son café.